Nous avons été contactés par l'Institut médico-pédagogique IMP René Thaune qui souhaitait que nos élèves de deuxième infirmière prennent en charge une soixantaine de leurs élèves pour un projet estime de soi, donc qui se répartit en quatre ateliers différents. Donc l'atelier de Madame Champenois sur l'alimentation, puis vous avez un atelier propre sur l'estime de soi. On a un atelier soins visage et soins cheveux et un atelier sur l'hygiène et l'hygiène intime. Et donc, nos étudiantes sont une vingtaine à prendre en charge les étudiantes de l'IMP. Et apparemment, ça se passe très bien, ça fait vraiment plaisir à voir. Et on a un retour très positif aussi bien des jeunes de l'IMP que du personnel qui les accompagne. Et donc, franchement, moi, je suis très contente de la prise en charge de nos élèves. Ça se passe très, très bien. Tout est parti sur la base d'une étudiante qui s'appelle Joyce, qui est en deuxième chez nous, et qui s'est proposée de faire un appel aux dons pour des vêtements, des bijoux, des accessoires, pour en faire bénéficier donc ces jeunes filles. Et donc, elle a récolté vraiment une très très belle table de vêtements, et ce sera le cadeau de la fin de cette matinée pour ses élèves de l'IMP.